Hello, c'est toujours moi pour un 12e tutoriel sur PowerPoint pour faire la suite de notre diaporama. Ici devant vous, vous avez donc votre diaporama que nous avons déjà fait depuis un certain temps et je suis sur la diapositive 8. Ici, je voudrais vous montrer le ruban affichage qui est tout en haut. Je clique sur affichage et vous pouvez afficher donc ou enlever la règle. Quand je clique sur règle, je clique dessus ou quadrillage. Je peux enlever le quadrillage ici en cliquant dessus ou cliquer sur règle pour enlever la règle. Voilà, c'est vous qui décidez de mettre ce que vous voulez. Vous pouvez aussi ici dans le ruban toujours affichage à gauche, vous êtes en mode normal, ce qui est votre cas. Vous voyez la diapositive devant vous et le volet diapositive à gauche ici avec toutes vos diapositives les unes en dessous les autres. Mais vous souhaitez peut-être aussi trier vos diapositives dans l'ordre que vous souhaitez. Dans ce cas-là, vous allez cliquer sur trieuse de diapositives ici. Je clique avec le bouton gauche sur trieuse de diapositives et je vois toutes mes diapositives les unes à côté des autres, de la 1 à la 8 pour l'instant. Ainsi, vous pouvez trier vos diapositives dans l'ordre que vous voulez. Si vous souhaitez mettre celle-ci, par exemple la numéro 4, à la fin, je clique dessus, je reste appuyé et je fais glisser ma diapositive à la fin et je lâche. Ainsi, elle se trouve en numéro 8. Si vous souhaitez mettre le tableau en 5e ou 6e ou 7e position, il suffit que je clique dessus, que je reste appuyé, je fais glisser ma diapositive à l'endroit où je veux. Ma vidéo, je vais la mettre en 2e position, je reste appuyé, je fais glisser ma diapositive en 2e position, etc. Je clique sur celle-ci, je fais glisser ma diapositive à l'endroit que je souhaite. Ainsi, cela vous permet de trier vos diapositives comme vous voulez, à l'endroit où vous voulez et quand vous voulez. Et vous cliquez sur le mode normal ici pour vous remettre sur vos diapositives en mode normal avec le volet diapositive à gauche. Ainsi, vous voyez vos diapositives sont mises dans l'ordre que vous souhaitez et vous pouvez travailler sur n'importe quelle diapositive devant vous sur le numéro que vous souhaitez. Voilà pour le mode normal et la trieuse des diapositives pour mettre l'ordre que l'on veut à nos diapositives. Toujours dans le ruban affichage ici. Vous avez la possibilité, donc vous avez vos diapositives en mode couleur, ça c'est pas un problème, ce qui est beaucoup plus joli, mais vous pouvez aussi demander une nuance de gris. Je clique sur nuance de gris et vous allez voir ainsi que vos diapositives sont toutes en nuance de gris. Pourquoi pas, ça peut être joli lorsque vous voulez faire un diaporama en noir et blanc, pourquoi pas, avec des photos en noir et blanc ou mettre tout en noir et blanc. Et si vous voulez revenir au retour en mode couleur, ce que je trouve plus joli, je clique sur retour mode couleur. Et tout se remet en couleur. Toujours affichage, vous avez aussi noir et blanc intégral. Je clique sur noir et blanc intégral. Et vous avez toutes vos diapositives en noir et blanc intégral, comme vous pouvez le voir ici. Et retour mode couleur, bien entendu, si vous souhaitez le faire. C'est vous qui décidez de mettre soit les couleurs, soit dans affichage des nuances de gris, soit du noir et blanc intégral. Voilà, à vous de décider ce que vous voulez, quand vous voulez. J'enregistre et je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel.